On se retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, un rendez-vous devenu incontournable sur la chaîne au vu des commentaires que vous nous laissez. Ça nous fait extrêmement plaisir, ça, les gars. Ah, bah oui. On a Pierre-Yves qui est venu nous rejoindre. Pierre-Yves qui commence à s'imprégner de la chaîne de Terre Secrète. On le verra de temps en temps comme ça pendant des numéros, hein, Pierre-Yves. Oui, avec plaisir. Voilà, et ce sera pour nous aussi avec plaisir. On est dans un bois, vous avez vu comme c'est joli. On a un temps qui est un peu couvert. On nous prévoit de la pluie. On va aller mettre le détecteur partout là-dedans dans ce joli bois. C'est parti, on va pas vous faire attendre. Allez, on y va. On va prendre de la hauteur pour cette découverte. On a notre ami Jérôme qui est sur un mirador. Regardez, c'est pas effrayant ça. Tu la vois là, Jérôme? Oh ben, dis donc. Elle est pas percutée ni rien. Incroyable hein, de mettre ça dans le corps d'un animal quand même. Faut être sacrément tordu. Je peux vous dire que celle-ci, elle fera plus de mal à personne, hein, Pierre. Exactement. Ça, je vous le garantis. On va continuer. Allez, après cette grosse cartouche, on va s'arrêter là. C'est déjà plus joyeux. Regardez-moi ce vieux briquet d'époque. C'est à quoi ça, Jérôme? Pétrole? Alors, essence? C'est des mèches là-dedans, non? Allez, on va le nettoyer. Oh, je suis en train de le nettoyer. Ah, c'est à pierre. Il y a une roulette extra, regardez ça. C'est plus sympa que de faire des grosses cartouches qui tuent. Hein. Oui, ça peut tuer aussi, ça. Ouais, enfin, je pense pas qu'ils s'en servaient pour tuer. Oh, génial, ouais, regardez ça. Je vous ferai une belle photo. Regardez ce vieux briquet. Je sais pas de quelle année ça peut paraître. Tu l'as, Jérôme? Oui. Nickel. C'est trop, hein, hein? C'est de l'essence ou c'est du... Ouais, je sais pas, il y a une pierre là. Si, mais regarde, ça, ça doit s'enlever, ça. Ça. Pour le remplir. Pousse ou tire. Ah oui, exact. Et tu vois, ça... Alors, fais l'inverse. Tire, et ça, ça doit se... Ah, génial, regardez ça. Je vais peut-être pas trop forcer pour le casser, parce que... Voilà. Ah, regardez ça. Oh, on a la mèche et tout dessus, regardez. Extraordinaire. Je vais peut-être pas prendre le côté métallique. Ça, c'est une belle découverte. Donc, c'est... À essence, hein, Pierre-Yves? Ouais. Non, sympa. Ouais. À essence, il n'y avait pas intérêt de... intérêt de faire attention, il fait qu'à essence. Voilà une découverte plus joyeuse, comme je dis. On va continuer dans ce joli bois. C'est parti. Regardez dans ce chemin, on a des poils de chevreuil ici. Voilà, ouais, ils sont en train de muer, je pense, en ce moment. Ça doit être ça. Joli chevreuil, ils ont de quoi faire ici, regardez. C'est le paradis du chevreuil ici. Regardez-moi les dégâts avec la tempête ici. Oh, je vais vous montrer quelque chose, regardez. Je sais pas si c'est pas des... comment on appelle ça? Des spores qui arrivent. C'est pas dû à des champignons, ça? Regardez, le bois, il est bleu. Voilà, on est dans un bois enchanté. Je pense que c'est une minérale. C'est pas des spores de champignons, ça, qui se serait qui serait à dedans, à l'intérieur, qui aurait fait cette couleur-là? Je sais pas. Il est tout spongeux. Au, ouais, au vert de gris sur du oui, sur de la ferraille. D'accord. Mais vous avez vu, c'est joli. Allez, on va aller voir Jérôme. C'est parti, Jérôme, il nous attend avec un joli son. Presque à même le sol, regardez. C'est une découverte. Une j'allais dire. Mais alors, regarde. Oh, c'est une rondelle ton truc. Non, non, regarde. Allez. Rondelle, rondelle, rondelle. Tiens, bon, donc, ah, c'est un joli décor, regardez ça, super. On n'a pas beaucoup de son hein, dans ce bois qui arrive. Hein. On est en train de chercher, quand vous n'avez pas beaucoup de son comme ça, il faut vraiment chercher la zone où
Il y a peut-être eu des militaires qui se sont installés ou d'autres personnes hein, qui se sont mises en groupe. Et là, il faut chercher. C'est ce qu'on est en train de chercher en ce moment. Allez, la découverte de Jérôme. On va faire un joli plan là-dessus. Je vais laisser des commentaires. Tiens, je fais une jolie photo sur cette jolie décoration de je ne sais quoi. C'est cool ça, Jérôme ? Super. Hein ? Ça fait du bien parce qu'on n'a pas beaucoup de ça. Oh, il n'y a rien là. Ah, ça, c'est comment. Tu connais pas ça ? Non. Regardez, Pierre-Yves, il vient de nous importer ça. Voilà, c'est une cartouche à broche. Ça a 150 ans, ça, Pierre-Yves. Ah, ouais, bah, je connais. C'est une cartouche à broche. J'ai trouvé des cartouches, mais pas comme ça. Pas voilà, encore. C'est très vieux. First one. Tu auras appris quelque chose aujourd'hui. Bah, oui, non, on en a fait une il n'y a pas très longtemps. Ouais, hein, quand on était. Tu en as parlé, ouais. C'est ça. Ouais. Ben voilà, ben on va continuer évidemment, le temps se couvre, on a de la pluie de prévu pour cet après-midi, donc on va se dépêcher. On est en train de rire avec Jérôme, regardez, Pierre-Yves il s'en va, il a oublié sa pelle, son détecteur est là, et on était quand même un petit peu assez loin là-bas, et il repart chercher sa pelle. bonne chance Pierre-Yves. Il y en a commis deux jours. Bon Jérôme. Il y en a commis deux jours à trouver leur pelle. Un déchet. Un déchet, oui. Allez. La pelle est retrouvée. La pelle à or. La pelle à or. Alors tu as un son, c'est pour ça que tu t'es... Tout est bien qui se finit bien. On va se rapprocher de Pierre-Yves cette fois-ci. Et c'est là que ça se passe. Ça sonne plus Pierre-Yves ? Regardez ce qu'il nous fait là Pierre-Yves. 84 ? Alors, c'est là que ça se passe. C'est les restes d'une montre à gousset je pense. Regardez l'état. Ouais, on voit encore le. Ouais, on là, voit les roues crantées, la dent crantée, puis le petit remontoir. Le mécanisme. Le mécanisme, regardez ça. Il est au milieu de ta main, si vous voulez. Jérôme, Pierre-Yves. Ah là là. Je sais plus, moi là. Hop là. Vous avez vu ça? Je la nettoierai, je ferai une jolie photo. À la fin, il y a peut-être des inscriptions, après tout, derrière. Ouais, peut-être. Hein. On va tourner, regardez. Là, je crois. Non, sur ce côté-là. On met un coup de brosse. Oui. Allez. Fragile. Hein. S'il y a des inscriptions. Bien, parce que moi, j'ai pas... Alors, oh, ça a l'air sympa derrière. Regarde. Oh, génial. Ces inscriptions, c'est le mécanisme. Non, c'est le mécanisme. Non, j'ai pas mis. Vas-y. J'ai pas de lunettes. Tu veux pas reculer ma pelle, Jérôme, s'il te plaît. Ah oui, c'est le mécanisme. C'est le mécanisme qui apparaît là ou pas? Ouais, je crois. Ouais. Allez, je ferai une photo. Ouais, je pense que l'enveloppe est... Ça, c'est de l'enveloppe. Tu vois, il y a encore les traces c'est dessus. De... Peut-être derrière celui-là. Allez, je mets ça. Tiens, prends l'autre, Jérôme. Mais je pense pas. Je pense non, que je pense pas que non plus. Mécanisme. C'est que le mécanisme. Le... Apparemment, il manque le tour. Hein. Les deux... Attends. Bon. Attends, je vais compter là le mécanisme. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas grave. Je ferai une jolie photo, Jérôme. Et puis arrive. Pas de soucis. Alors on a la pluie. Tu vois des choses Non. Ben là, Punchy. C'est vrai. Tu te mets à la conversation. Tu veux regarder, Punchy? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vois quelque chose? Bon, on verra ça au nettoyage. Alors je te laisse le soin de la remonter, David. Ouais. On va chercher les aiguilles. On est parti. C'est parti. Allez, on continue. On a la pluie. Il s'invite là. On va s'arrêter ici. Un son qui était médium. Je me dépêche, vous savez pourquoi? Parce que on a la pluie qui est. Ça tonne en plus. On a. C'est de l'orage là qu'on vient d'entendre. C'est l'orage, je sais pas. En tout cas, ah, c'est peut-être oui, ce qui est les militaires qui s'entraînent. Exact. On a des coups de canon à côté de nous. Ah, regardez, on a une jolie patine. Je le vois. C'est un bouton à l'encre. Allez. Je ferai une jolie photo, même chose. On va pas traîner. Magnifique. Il est beau, hein? Ouais. Sous cette pluie. Donc j'ai fait un, la semaine, c'est reparti. La semaine dernière.
Allez, un son médium à 60. Je pensais que c'était une petite montre au départ parce que c'était plein justement dans le creux là. Et vu la forme, je pensais qu'ici c'était le remontoir. Et que c'était une montre, mais c'est pas une montre. Tiens, on va brosser ça, on dirait oui, peut-être une fusaïole bien abîmée, comme tu dis Jérôme. Je pense pas que c'est une fusaïole vu le. Non, il manque des. Mais toi, il y a des choses qui vont pas là. C'est pas une fusaïole ça, mais. Il y a pas assez de crocs. Il y a des décorations là-dessus. Ah oui, il y a des toits dedans. Ouais, c'est ça. On a des stries là. Ouais. On va faire un gros plan. Tiens, Jérôme. Allez, laissez des commentaires. Je ferai une photo en fin de vidéo. N'oubliez pas toutes les photos en fin de vidéo. Justement, laissez vos avis sur cette découverte. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tant qu'on y est. Profitez-en de venir nous rejoindre. On vient de finir de manger. Et on va aller voir Pierre-Yves, juste ici. Un son un petit peu. Bon, je ne connais pas trop ce disque-là. On laissera un lien pour. Si vous voulez le voir, justement, ce disque pour l'Oryx. Dans le trou, je crois que c'est. Alors. Prends des poignées, tu vois. Allez, Pierre-Yves. Ah, bah si. Trouvé ? Ah, regardez. C'est un petit objet. On va le mettre au milieu de ta main, Pierre-Yves. Oui, j'ai peur. Mets-nous un coup de brosse. Un petit coup de brosse. On dirait un truc de. Ça va pas ta casquette, il faut que je te passe une casquette de terre secrète, Pierre-Yves. Souvenir du Costa Rica. Costa Rica. Ah, ouais. En vacances ? Ah oui. Ah. Juste avant le confinement, l'année dernière. Bien joué. Alors, qu'est-ce que tu nous fais ? Mets ça au milieu. Ah, regardez comme c'est joli ça. Mets ça au milieu de ta main. Non, ça, Pierre-Yves, une décoration. Je vais vous faire un gros plan. Vous laisserez des commentaires là-dessus, je ferai une jolie photo en fin de vidéo comme d'habitude. Et vous laisserez des avis, ça a l'air sympa, il y a des petits décors dessus. Ouais, il y a des petites pointes là. Ouais. Jérôme, un petit bouclier. Non, non, une décoration, toujours de quelque chose, mais alors là. C'est dur après manger. Hein. Non, je vois pas ce que ça peut être. Même Punchy, regardez. Jérôme, il dort debout. Allez, on va continuer. En tout cas, c'est une décoration. De quoi laisser des commentaires. On va continuer dans ce joli bois. Regardez-moi les arbres morts ici, incroyable, il y en a partout. Allez, on va y mettre le détecteur. Faire un petit direct ensemble, on va vous faire participer juste ici. Allez, je le fais parce qu'on a un indice. Non. À 95, et il bouge pas de trou, donc on va regarder ce que ça donne. On a beaucoup moins de son là d'un coup. Qu'est-ce que c'est comme culture, David? Comment? Qu'est-ce que c'est comme culture? C'est de l'herbe, peut-être du régras mélangé un petit peu avec du trèfle. Voilà, mais je sais pas ce qu'ils mettent ici. Parce qu'il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vaches. On a Pierre-Yves qui nous fait des trous là-bas aussi. Allez, on va regarder chez nous. Attends, oh, qu'est-ce qu'il nous fait notre Pierre-Yves là-bas? Alors Pierre-Yves, tu t'en sors là-bas? Allez, on est monté un peu en indice, là, 97. Il me plaît bien ce son là parce que vous entendez, il est aigu. Et il est sorti surtout pas, c'est redescendu à 92. Bon, ouais. Allez, on va regarder ça ensemble. Ah, c'est là que ça se passe. Ah, c'est quoi ça? Oh, regardez, on dirait un petit. Ah, c'est un truc de comment? De tonneau. C'est tonneau? Ouais, c'est ça. Je sais pas, David. Si, si, regarde. Ah, super. Tu vois ici? Allez, décrante-nous ça. Allez, on va le nettoyer. Ah, génial. J'aime bien ces clés de tonneau. Ça ressemble à des petits canons. Petits canons de Navarre. Je trouve ça assez amusant. Regardez. C'est beau. Hein.
faisait des belles choses quand même, hein, de... les clés de tonneau comme ça. Je ferai une photo parce qu'il est plein de terre dedans. Oh, il est beau, regardez. C'est vraiment une belle finition, hein, Jérôme. Je trouve. Aujourd'hui, on en voit en bois. Hein. Ils sont tout beaux, tout bien vernis, tout bien décorés. Mais... voilà, je sais pas. J'ai une préférence pour cela. On continue, Jérôme ? On y va. On est reparti, on vous emmène. On va aller voir Pierre-Yves, c'est cool, il va nous faire un petit direct ici. On a un fuyant. À combien, Pierre-Yves ? 79. Allez, 79, ça se creuse. Allez, on vous embarque avec nous. Caméra embarquée, regardez. Hop. Elles sonnent pas tes chaussures là ? Si, c'est limite. Ah ouais ? Ouais. C'est ce que je suis en train de regarder. Non, mais c'est la première fois que je mets pour ça, mais je ne les reprendrai pas. C'est pas pratique. Oui, c'est sûr. Alors. Oh, hey, c'est sorti. Oh, on a un joli son là. Un beau son. Ah, c'est beau. Hein. Ah. Ah. Allez, Pierre-Yves. On va voir. Jérôme, tu regardes en même temps. Hein. Ouais, les vers de terre. C'est une bonne chose ça de voir des vers de terre. Terre hein, c'est le vers de terre qui a mangé de la ferraille. Qui a mangé de la ferraille. Il a peut-être un piercing, le vers de terre. Ah, c'est dans la motte là. Allez, c'est là. C'est ici. Oh. Non, c'est un. Non, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Ah, je sais pas. Ah, c'est surprenant alors. Un détonateur. Ouais, je sais pas. On dirait un genre de valve. Une vieille valve. C'est une valve antique. C'est clope, hein. Une valve antique. Bon. Non, bah, on nettoiera ça. Alors ? Ouais, c'est creux dedans. Hein. Ah, c'est bizarre ça, Jérôme. C'est quoi ? Ah, attention, il n'y a pas de vis ? Il n'y a pas de vis. Ah, donc, ah oui, il n'y a pas de vis. Ah, c'est pas un truc de vélo ? On dirait une valve. C'est une valve de vélo. Expert à causer. Une valve de vélo. Incroyable. Ouais. Une valve de vélo ? Qui c'est qui est venu faire du vélo par ici ? Un punchy ? Ça doit être du VTT quand même. VTT ? Regarde, t'as la valve. Ah, ça y est, exact. Bon, bah. Et le... Bien joué Pierre-Yves. Super, wow. Bien, bien. Et ben, le vélo n'est peut-être pas loin. Alors, on dit quoi, il y a une belle découverte. Oh, allez, on continue. Continue Punchy. On vient de changer, on est arrivé dans une autre zone. C'est très joli ici, c'est toujours dans un petit bois. Et on vient juste de recommencer. On vient d'avoir une très très grosse averse, Jérôme. Hein. Trempé. Et il fait pas très chaud là, Pierre-Yves ? Ah non, trempé. Allez, on a un bouton avec Jérôme. Ah. Oui, on est trempé. Ah bon ? Allez, frotte. Oh, superbe, regardez comme il est beau celui-ci. Je sais qu'il y en a qui collectionnent des boutons. Au canon, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Attends, bouge pas. Mets dans le milieu de ta main. Je vais faire un petit zoom ou un gros zoom. Bouge plus, Jérôme. Clac! Oh, regardez comme il est joli celui-ci, bouge pas. Avec deux canons. Allez, laissez des commentaires, je lui ferai une belle photo sur ce joli bouton. T'as mis ta jolie veste, Jérôme? Ah oui! On n'en avait pas parlé beaucoup de ces vestes. Comment? Vous voyez? On va en parler juste deux secondes. La jolie veste Magnetar Hit. On a trois niveaux ici. Comment pour l'allumer, hein, Jérôme? Ouais, mais. T'as utilisé toute la batterie? Bah, pour sécher le bouton. Bah, ouais, parce que j'étais trempé tout à l'heure. Trempé. Je vais juste vous montrer, regardez. On n'avait pas parlé la dernière fois, on va parler très peu de cette veste. La connexion? Avec une batterie et une connexion qui se fait dessus pour le recharger. Tout simple, ça se branche ici avec un transfo qui est fourni avec. Et il n'y a plus qu'à recharger la batterie. Et ça chauffe super bien quand même. Hein. Ah ouais, c'est super. Moi, je les ai testés aussi. Ma veste, elle est sèche. Elle est sèche à l'intérieur. Ah, tout, même à l'extérieur, c'est parti. Là, bon, voilà pour ces vestes. Allez, je voulais juste en parler un petit peu. J'avais pas parlé de la batterie la dernière fois qui était à l'intérieur, qui se recharge avec un transfo. Et elles sont très bien puisque ça réchauffe bien. Moi, je les ai testées dans mon camping-car. Et ça chauffe bien. Il n'y a plus besoin d'allumer le chauffage parfois. Ah, on continue. Je laisserai un lien pour cette veste justement dans le descriptif sous la vidéo. On va aller voir les deux clowns là, regardez.
Allez, Pierre-Yves, il a un son beau, juste là. Ici, est très joli. Son, à combien 80 85. 5. Allez, on va vous inviter ça, en live. Vidéo. C'est pas ça. Ah, c'est plus à gauche. Oui, ouais. Pierre-Yves. Joli son. Bien aigu là. Ouais. Mmh. Bouge pas ton fond. Regardez un peu la terre non, ici. Mais, c'est vraiment la terre. Ça manque d'eau quand même. Hein. Combien là, 10 85, 86. T'as pas envie de le sortir celui-là, Pierre-Yves? Ah bah si, mais je veux bien, mais. C'est lui qui veut pas sortir. Allez. Lui ou elle. Il doit pas être bien profond parce que le son est quand même bien net. Ouais. On va regarder ça ensemble. C'est dans le fond, hein. Ah. C'est dans le fond, allez. J'ai pas pris mon pointeur. Non, mais donne un grand coup de pelle dans le fond. Allez, un bon trou là. Voilà. Regarde, Dion. Ah, c'est ton travail. Ah, l'autre. Bah alors. Et alors, ça sort pas. Il arrive. Mais les gars, tu veux pas nous le sortir? Vous m'aidez pas, hein. Vous allez être jaloux. Ah, à je le vois. Moi aussi, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, Pierre. Allez, regarde. Ah, oui, ah, bien. Oh. Joli son, joli son. C'est une canette de Coca-Cola voilà. Ou je sais pas, non. Une grosse monnaie en argent. Ça, elle est un peu abîmée, hein. Ouais. Voilà. C'est des monnaies à trous, tu vois, là, c'est des monnaies à... On va mettre ça dans sa coche à déchets. C'est ça, le live. Mais c'est un joli live. Voilà, on dépollue, en tout cas. Allez. Ça commence à s'éclaircir au niveau du ciel, ça fait du bien. Ouais. Allez, Pierre-Yves, on est content parce que... 71 fixe, là. 71 fixe. Mmh. C'est parti, c'est une monnaie. On la voit d'ici. Voilà. Petite monnaie, on en a filmé. On en a filmé. On a beaucoup de monnaies qu'on n'a pas filmées, qui étaient complètement rincées, comme mon Jérôme. Ah oui. C'est dommage, qui étaient très abîmées, parce qu'on avait démarré par un champ qui ne parlait pas beaucoup, et c'est pour ça qu'on est parti dans les bois. On a bien parlé à Jérôme. On va regarder. Il arrive qu'il nous fait une monnaie, ça fait plaisir. Ah bah ouais, parce que c'est pas souvent. Avec tes gants. Pas souvent quand même, hein. Allez. Ah oh, superbe, regardez, c'est une petite. C'est une apôtre, hein. Napoléonienne. Bouge pas. On va aller dessus. Bien joué, Pierre-Yves. Ah bah, bouge pas. Super. La mets-la au milieu du gant si tu veux faire le zoom, Jérôme. Ouais, le zoom. Bouge pas. Si tu veux faire le focus. Vas-y, tu restes comme ça. Top. Tu dois être. Voilà. N'approche pas trop près. Et le derrière? On la voit bien? Pas trop. Là, on va voir. Ah, superbe, voilà. Regardez. Ah, ouais, super. Ah, allez, impeccable. Ah, un bon nettoyage. On va même avoir l'année. Ah, oui. Approche pas trop, Yo. Ouais, genre, il y en a peu. 62. Ah, superbe, allez. Pas 1900. Hein. C'était l'année. 62. Excusez-moi. On fera une jolie photo à la fin de la vidéo sur cette jolie Napoléonienne. Ah, elle est belle, hein. Alors, voilà. Regardez, la terre est sèche. Malgré la pluie qu'il y a eu, ça rentre pas dans la ça rentre pas sous-bois. Dans les sous-bois. Ouais. C'est une combien centimes ça, David? 5, 10. Alors c'est 2 ça? Non, c'est 5. 5 hein. J'aime bien ce genre de ces petites monnaies, sont belles, je trouve. Ouais, c'est juste. Elles sont super sympas. Il n'y aura pas une grosse difficulté à la nettoyer celle-ci. En fin de vidéo, toutes les photos, n'oubliez pas. Bah, on continue un petit peu alors. Ah super. Allez, on y retourne. C'est bien parcours. Un joli son ici. Allez, ça dégomme. Quand on a un son comme ça, bah forcément ça se creuse. Et c'est là que ça se passe. C'est un autre bouton. Jérôme, tu nous as fait un joli bouton tout à l'heure. Allez, on va l'enlever de son empreinte. Et on va le brosser. Celui-ci. Sans se tromper de côté. Même chose, hein, vous commencez à connaître cette brosse. Le lien sera dans la description. Ah super, regardez moi ça, c'est un bouton Pigargue à nouveau. Hein. On en a déjà fait des boutons Pigargue, Jérôme. Et ceux-là, ils font très plaisir aux propriétaires de terrain quand on leur redonne. Extraordinaire, regardez comme il est beau celui-ci. Il est tout bronzé. T'as vu Pierre-Yves déjà, c'est comme ça. Ah, j'ai vu ça. Vraiment superbe. Tu l'as, Jérôme? Oui. Magnifique. Superbe. Voilà.
Vous savez qu'ils ont sorti, enfin ils avaient sorti des monnaies avec l'emblème Pigargue. T'es loin de moi, Jérôme. Ben, c'est pour avoir la tête de notre ami Pierre. Ah, si tu veux avoir la tête. Je vais mettre le niveau. Je disais donc qu'ils avaient sorti, ils avaient sorti à une époque des monnaies avec l'emblème Pigargue justement. Et ils n'ont pas continué à faire justement cette monnaie parce que l'aigle Pigargue était tout maigre sur cette monnaie. Et c'est un peu un affront hein, aux Américains d'avoir cet aigle tout chétif et tout moche en fait. Ça ne représentait pas tellement l'Amérique. Donc ils ont arrêté de faire ces monnaies qui valent très très cher maintenant. Il n'y avait pas beaucoup de monnaies qui ont été sorties en tout cas de cet aigle Pigargue. C'était pour la petite anecdote du jour. On continue un petit peu par là et puis on va pas traîner je pense. Hein. Parce qu'on est bien trempé quand même. Donc on est reparti. On va faire ce son ensemble avec Pierre-Yves. Juste ici. T'es fatigué Jérôme ? Je vais m'asseoir, c'est. Ah oui, on est fatigué. Aujourd'hui on a fait combien de pas ? Beaucoup. Beaucoup. Hein. Après 20 000 on compte plus. Ah ouais. Allez Pierre-Yves. C'est plus à gauche, je pense. Ouais. Là, ici, voilà, ouais. Juste là, c'est avec ça. Du mètre. Un peu évident, hein, des fois. C'est vu, et voilà. C'est vu, c'est là. T'as vu ? C'est là. Ah oui. Super, c'est... du blanc. Du blanc. Une boîte de... Oh, allez, qu'on a l'habitude d'en faire. Bouge pas, Pierre, j'ai fait un gros plein dessus. Regardez-moi cette monnaie en argent bien épaisse. Alors, voilà. Là, il y a du lourd, hein. C'est de la prise. C'est de la prise, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en trouve ? Ouais, c'est des boîtes à priser, ça, des snoofs. Normalement. Ozona snoof, snoof, ouais. C'est ça, ouais, hein ? Ouais. Et on dirait qu'il y en a dedans, non ? Non, non. Ah si, peut-être. C'est qui a enrhumé ? Allez, Jérôme. C'est toi qu'on prenait, David. Mon père m'en a fait prendre une fois quand j'avais une bronchite à l'époque. Il y en a dedans ? Il m'a fait prendre ça. Ça pèse lourd, non ? 5 grammes poudre à priser. C'est infect. Type en fait. Anglais. Ouais, c'est infect. Hein. C'est une variante type anglais. C'est ça. Bon, allez, qui n'a pas fait sa boîte à priser dans la prospection. Ah, tiens, laissez-nous des avis, ça va être marrant. Qui c'est qui a trouvé des boîtes à priser ? Ça, tout le monde connaît, je pense. Ce genre de découverte. Allez, laissez un avis et puis dites-nous si vous en avez pris, tiens, à l'époque, ceux qui ont connu ça. Pris dans quel sens ? Ouvrir la boîte ou... Non, pris... Pris, d'accord. Ouais. Sniffer, quoi. Sniffer du snoof, voilà. Sniffer de la prise. Allez, on continue. Bah justement, laissez-nous des commentaires pour ceux qui ont connu la prise et surtout ceux qui en ont pris, justement, cette chose infâme. Voilà, c'est sur cette note d'humour, nous, qu'on va arrêter cette sortie détection. Pas fait des grosses découvertes fulgurantes. Non, mais bon, c'est une bonne journée. Mais en tout cas, c'est ça clair. Rappelle comme quoi, ben, la détection, c'est pas toujours de grosses découvertes, mais on a passé un très très bon moment. Et c'est exactement le principal et ce qu'on recherche. On va se retrouver dans un prochain numéro, nous, Jérôme. On va essayer de retrouver quelque chose de sa part. Ouais. Voilà, il y aura une sortie de prévue avec Christian que je vous présenterai, puisque moi je vais partir un petit peu. À 2h30 de route d'ici, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Et plein de choses à découvrir encore, de jolies vidéos qui vont arriver sur la chaîne de Terre Secrète. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui viennent de connaître justement la chaîne ou de la découvrir. N'hésitez pas à liker également, nous on se retrouvera la semaine prochaine Jérôme. Oui. Pierre-Yves, pour la semaine prochaine. Dans 15 jours alors. Dans 15 jours, alors on se verra pas dans 15 jours, ah, puisque moi je serai pas dans le secteur. Bientôt alors. Voilà, on en reparlera dans les prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et vive la détection. Salut, ciao, à la prochaine. Ciao, ciao.